C'est parti. Bla 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 bla. Je vais quand même mettre ma machine. Hein? Je vais juste voir comme ça se rend. Bijou. Bla bla bla. Ça fait une main déjà? Oui, bah oui, je vais pas me lever encore. Ok. C'est... Ouf. Ouais. Voilà. Ouais. C'est bon. Non. Les lapinous. Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez dans le titre et comme vous le voyez maintenant, j'ai un invité spécial, mon époux. Bah écoutez, ça fait 8 ans, 9 ans que nous sommes ensemble et ça fait 2 ans, 3 ans, que nous sommes mariés. Wow. Donc, waouh, de qui ça va? Parce que 2 ans, 3 ans, c'est approximatif. Et ça fait 3 ans. Et un peu plus ça aussi. Suffit. J'ai une mémoire de poule. Enfin bref, ça fait 9 ans que nous sommes ensemble et 3 ans que nous sommes mariés. Mm-hmm. Et du coup, nous faisons ces tests pour savoir si on se connaît réellement. Les années ne veulent pas forcément dire grand chose, mais, wow. Voilà quoi. Alors, je suis plutôt string en dentelle, culotte en coton ou rien? Rien. Culotte en coton. Ah oui, culotte en coton. Tu la gardes, celle-là? Quoi? Culotte en dentelle ou... Oui, bref, mais tu vois le genre ou pas? Oui, je vois le genre. Je suis plutôt casson. Non. Boxeur. Non. Pourquoi tu fais comme moi? Mais Seigneur, non, je sens que cette vidéo-là va durer une éternité. Ah, j'ai l'impression. Alors, quel est mon acteur préféré? Ton acteur préféré? Mm-hmm. Denzel Washington. C'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. C'est bon, j'ai un point. Et mon acteur déteste. Non, ça va. C'est une ou deux questions. Bah, allez, c'est quoi? Vas-y. Non, l'acteur que je déteste le plus. Que tu détestes le plus? Non, que je n'aime pas en fait. Alors là, je sais pas. Ah ok. Je connais pas son nom. Mais c'est en plus, tu connais pas son nom. Et tu veux que je connaisse son nom, mais t'es sérieux? C'est celui qui joue dans le dernier Batman. Non. Ah, Toilette. Ouais, Toilette. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Je connais pas son nom, je vais mettre une image. C'est l'acteur du film Twilight. Mais on dit toilette parce qu'en fait c'est vraiment, faudrait tirer la chasse, il est nul, voilà. J'avoue, j'aime pas moi non plus, mais bon, je n'aurais jamais cru, ok, d'accord, à mon tour. Quelle est la chose que je déteste le plus au monde? Qu'est-ce que je déteste le plus au monde? C'est-à-dire, une chose, hein, pas un animal. Non, par exemple... un trait de caractère chez quelqu'un ou... voilà. Le mensonge. Un truc que je déteste, mais c'est le mensonge. Je trouve que c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me met hors de moi, ça. Ça me met hors de moi. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire de le faire. Ça n'a aucun but. Ça n'apporte rien, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. Enfin, c'est vraiment, le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui veut. Bien joué, bébé. À part tout. Parce que dans notre question, l'acteur que je déteste, je crois que ça t'est sorti comme ça. C'était pas pire encore. Donc, ouais. À part tout. À part tout. Ok. À tantôt. Quelles sont mes passions? Le sport. Oui, quoi exactement? Bah, le basket, la muscu, la planche à voile. Ah, bien. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, c'était le sport, donc c'était pas tes passions. Parce que oui, regarder YouTube avec Tesla. Il est omnibulé par la Tesla, il est fan de la Tesla, donc voilà. Donc, je pense que ça fait partie de ta passion, parce que je crois que tu connais cette voiture-là. Plus que moi-même. On va dire oui. Mais c'est parce que on va dire oui. C'est, c'est,
C'est ma voiture préférée. On va dire oui, je coupe au montage. Okay. Tu connais plus la Tesla que ta femme? Non, moi ce que toi, tu connais plus que moi. Tu connais plus la Tesla que ta femme? Oui, je connais plus la Tesla que toi. T'as pas honte de dire ça? Tu connais plus la Tesla que ta femme? Je connais. J'ai pas dit que j'aime plus la Tesla que ma femme. Eh ben non, mais c'est dur quand même, hein. Tu connais plus une voiture que ta femme. Mais non, mais je te connais. Je ne vois pas. J'ai pas vu ça dans ce sens. C'est ça. En fait, oui, je connais la Tesla comme connaître quelque chose, mais j'ai pas dit connaître. Mais non, toi, c'est. Vas-y. C'est sentimental, c'est émotionnel, tout. C'est nul. T'essaies de rattraper, c'est nul. Il faut bien rattraper, hein. Ouais, c'est ça. Allez. Quelle est la tenue que je portais le jour de notre rencontre? Ah. Alors, tu avais un short en jean. Mais le haut, je m'en souviens pas. Je me souviens du short parce qu'en fait, ça m'a marqué. Pourquoi? Mais parce que c'était un joli short. Surtout derrière. C'était un beau short. Je me souviens. Ouais, c'était pas mal. Il y avait des poches derrière. Mais je me souviens pas du coup. Le coup, je m'en souviens pas. Mais je sais que tu avais un short. Un short en jean. D'accord. Bah, j'avais un short blanc. Voilà. La couleur, je m'en souviens. Non, mais non, c'était pas en jean. C'était en blanc. C'était un short blanc. Mm-hmm. Avec des débardeurs noirs. Et des talons noirs. Ah. Et des chaussures ouvertes, quoi. Donc le short, ça t'a marqué, mais pas la couleur. Hein. Je crois qu'il faisait trop noir, c'était en boîte de nuit. Hein. En plus. Je crois qu'il faisait trop noir, il a pas bien vu. Entre jean et blanc, quand même, il y a une grosse différence. Hein, mais bon, au moins, je me souviens que tu avais un short. C'est déjà pas mal. Parce que t'es resté sur le physique. Guilty. À toi. Okay. Et à tous de mes yeux. Si je devais passer des vacances, quel aurait été mon pays de prédilection? Des vacances? Oui. Pas pour y vivre? Ouais. Non, en vacances. Au Venezuela? Non, je rigole. Et je t'en ai parlé en plus. Hein? Oui, tu sais. Je vais te dire, tu vas tout de suite savoir. C'est Sénégal? Ouais. Non, c'est pas un pays. C'est pas un pays d'Afrique. C'est pas un pays d'Afrique. Canada? Non. C'est un pays asiatique. Indonésie? Presque. Indonésie, c'est en Afrique. So... Non, c'est pas en Afrique. C'est pas ça commence Afrique. Avec un T. Thaïlande! Voilà. Oh oui. Là là! Charita, tu m'as parlé de ça une fois. Non, plusieurs fois. Sais... Mais oui, je t'ai dit ça. J'ai dit que je voulais même essayer les insectes grillés et tout ça. Mais t'as dû me parler ça une fois. Ok. Deux fois. Deux. Bref. Où je me vois dans 10 ans? Dans quel pays? En Ukraine. C'est pas drôle. C'est non, vraiment pas drôle. Abidjan. Pourquoi? Pays d'Afrique. Mais pourquoi Abidjan? Parce que c'est déjà en Afrique, c'est déjà magnifique. Et c'est une ville qui bouge. T'as chaud? Où c'est trop noir et on fait. Abidjan, c'est un pays? Non, c'est pas un pays, c'est une ville. Et c'est où Abidjan? Côte d'Ivoire. Faut dire le pays, j'ai dit quel pays. Ah, Côte d'Ivoire. Ok. À toi. J'ai ma question. Que? Ça fait 5? Non, ça fait 4, j'ai pas fait la seconde. Donc non, ça fait 5. C'est que j'allais dire quelle marque, la marque de voiture préférée. Mais tu l'as dit Tesla. Bah oui. Bon, bah, mais il faut trouver. Quelle est ma marque de chaussures préférées? C'est Bago. Oh. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Je peux vous compter le nombre de paires de Sebago qu'il a à la maison, quoi. C'est là, maintenant là que tu commences à mettre les Timber. Hein. Oh, c'est quoi ta marque? Ce sont des classiques. C'est pas les Jordan, parce que les Jordan tu détestes. Ouais, j'aime pas. Et pourtant j'ai fait du basket. J'aime bien les Tim. Donc c'est quoi alors? Non, c'est Sebago, tu vois. Voilà. Parce que c'est classique. Voilà. Hein? La fille qui n'a pas de mémoire, mais qui te connaît quand même. Oui. Je peux pas dire la contraire. Je peux pas. Quelle est ma série préférée? Alors là, je vais hésiter. Je dirais Desperate Housewives. C'est pas ça? Non. Ce que je mets autant, ça fait partie de mes séries préférées, mais ma série préférée, c'est Amour, Amour, Gloire et Beauté. J'en veux plus de toi. Dynasty. Non, bébé. MacGyver. Non, là, tu fais exprès, tu me saoules. Je sais pas. Tu me saoules. Ta série préférée? Pour moi, c'est des Desperate Housewives. Hein. Ah! Game of Thrones! Mmh. Tout ça tombe! Oh, moi je lis Game of Thrones! 10 ans après, alors qu'on a vu Game of Thrones il n'y a pas longtemps! Oui, c'est bon en plus! Je suis capable de regarder Game of Thrones 10 fois, 5 fois, mais franchement! C'est vrai qu'elle est pas mal cette série! C'est vrai qu'elle est pas mal! Desperate Housewives! J'aime, mais quand même, ça passe pas devant Game of Thrones, mais. Non! À toi! Toujours pas trouvé? C'est ma machine hein, qui tourne, voilà, c'est la vraie vie, d'accord? Il y a les enfants, il y a la machine, c'est la vraie vie, d'accord? Quel est mon style d'habit? Si j'étais pas aussi grand en fait de taille, quel style d'habit j'aurais? Costard, cravate, tailleur, stylé. Et il, à vrai dire, en fait, moi j'ai beaucoup de mal à m'habiller par rapport au fait que ce soit un grand de taille. Et qu'ici. C'est moi qui dis ça ou ça à eux? Ça à vous. Et j'ai du mal à trouver des vêtements. D'ailleurs, ici en Guyane, on n'a pas. Quand on est grand de taille, donc même les jeunes, des gens comme moi. On a du mal à trouver les chaussures, vêtements, pantalons, ou parce qu'en fait, il n'y a rien d'adapté pour les gens de grande taille. Et pourtant, il y a des gens de grande taille ici. Et c'est assez difficile. Et il faut soit faire les vêtements. Donc voilà, j'ai pas encore une opportunité de me faire faire les vêtements. Mais sinon, si je dois m'habiller, c'est effectivement, c'est comme a dit madame, c'est que ça apparaît. Bien joué. Tu t'avais envie de te dévoiler là. Allons-y, attends. On a beaucoup de mal. Je vais mettre une musique. Nostalgique. Les violons. Ouais, j'arrête. Mais c'est tout, hein. C'est tout. De toute façon, je suis sûre que j'ai gagné. Comparé non, à toi. Pas du tout. Qui ça? J'ai gagné, mon ange. J'ai gagné. La seule question, c'est la seule question, c'est pas, cinq questions. La seule question, foirée, j'ai lâché la fait comme si c'était ça. C'est celle pour quelle est ma série préférée. Mais il faut dire que tu regardes Desperate Housewives, c'était The série avant Game of Thrones. Alors, attends. Entre Game of Thrones et Desperate Housewives, quelle est la série qu'on a regardée là récemment? Tu peux pas chercher, tu sais pas. Arrête. Donc j'ai gagné. Avoue-le. De toute façon, je vais voir au montage qui a gagné et je suis sûre que c'est moi. Par contre, si c'est toi au montage. Là, ça se trouve, c'est moi. Enfin bref, voilà, la vidéo touche à sa fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo avec mon chéri parce que, voilà, il partage ma vie, mais il partage tout. Il partage tout avec moi. Donc voilà, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Si vous voulez qu'on fasse des challenges ensemble, enfin voilà. Et écoutez, je vous fais de gros bisous. Désolée de ne pas avoir posté mardi, mais c'était vraiment. Cas de force majeure. Ah ouais, là je pouvais vraiment pas. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et surtout prenez soin de vous. Voilà, bisous. Bisous, et je vous.
C'est pas bon? Non. On en refait? Non. Non. Non.